dire mon secret. D'accord. Je vois des gens qui sont morts. En rêve, tu veux dire? Quand tu es éveillé. Allez! Oh, quelle surprise! Quelle surprise! Oh, c'était superbe! Bah pour le coup, on parlait hors antenne de l'épisode Resident Evil Remake 2. Et bah, c'était. En fait, là, c'est un truc que j'ai recyclé. C'est une intro de Retro Dash que j'avais faite à l'époque, justement, qui était sur Resident Evil. J'ai préparé un peu mon effet. Hop. Je veux aussi faire de la promo pour Retro Dash. On avait fait un grand épisode de Retro Dash sur le sujet, donc alors qu'il y a Resident Evil 8 qui sort bientôt, si jamais vous voulez un peu vous remettre dans le bain, et bah c'est l'occasion. Je me suis dit que la dernière fois j'avais pas pu faire ma petite connerie, parce qu'en fait j'avais prévu un truc, mais en fonction de ce que je pensais qui allait arriver, mais ça n'est pas du tout arrivé. Du coup voilà, je vous offre une ancienne intro de Retro Dash. Qui est superbe. C'est merci. Talent, acteur studio, magnifique. Allez, bah c'est parti du coup pour ce 7e épisode. Ouais. Souvenez-vous, nous sommes dans la petite cabane. Petite cabane où l'ami Hubert a fait sa première rencontre avec les araignées géantes, les requins géants. Les petits serpents aussi. Les petits serpents aussi, oui. Juste avant, tout à fait. Oui. Et puis les tentacules là de cette étrange créature qui sort de toutes parts de la maison. Alors, mon cher Hubert, nous avions sauvegardé. Nous avions sauvegardé, et du coup, il fallait que tu refasses un certain nombre de choses. Oui, voilà, effectivement, déjà, dans un premier temps. Peut-être réagencer un peu ton inventaire. Bon, du coup, tu m'as dit, t'as révisé. Ouais, vers où on va. Alors, est-ce que t'avais allumé les, ouais. les... Oui, t'as... Bon, bah, tu peux reposer le briquet, si tu veux, par exemple. Okay. Pour faire un peu de place. Voyons voir ce que t'as. Oui, bah, c'est bien, là. C'est pas mal. Ouais, c'est suffisant. Très bien. Alors, où allons-nous? Eh bien, nous allons revoir... Tu te souviens la cinématique qu'on a eue, là, où tu écoutais à la porte? Il y avait Barry qui était en train de parler tout seul. Ouais. Tout seul. il faut qu'on retourne... de ce côté-là. Donc... Ah, c'est bon, tu avais posé la... posé. Mais par contre, du coup, ça sert à rien. On est d'accord qu'on aille voir les requins, parce qu'il nous manque une batterie. Enfin, en tout cas, on peut pas accéder à l'endroit, là... Ouais. Alors justement, on va pas retourner vers le requin tout de suite. On va commencer par aller dans la pièce où était Barry. D'accord. C'est vrai qu'il y a une porte, on a fait toutes les portes là ici. Ouais, mais il y a un truc qu'on avait. En fait, il y a quelque chose que t'as ramassé dans cette pièce et qu'on n'a pas pensé à utiliser. C'est une petite clé. Vérifie, hein, il me semble qu'il n'y avait rien. Oui, c'est là qu'il parle à quelqu'un. C'est ici, je crois, ou la prochaine. Bah, essaye, de toute façon. Peut-être je vais prendre le truc là-bas, je sais plus ce que c'est. C'est le plan des lieux, je crois. Voilà. Très bien. Hop. Très bien. C'est peut-être bien celle-là, d'ailleurs, ouais. Est-ce qu'on peut la passer, voilà. Ouais, on va la passer. Désolé pour les personnes qui auraient loupé l'épisode de la semaine dernière. Mais il faut qu'on avance un petit peu. Nous sommes à peu près, je crois, à la moitié du jeu. Hein. Blabla. Alors, je sais plus où tu la ramasses, d'ailleurs, cette clé. Je pense que c'est là. Hein. C'est dans cette pièce. Ouais, il me semble bien. Qui brille, là. Ah non? Ah, attends, oui, c'est pas derrière le truc, là, justement, derrière les armoires. Tu te souviens, fallait en pousser une. Ouais. Voilà, l'autre, celle-là. Non, pas celle-là, l'autre. Contre le mur. Celle-là, je peux la pousser. Ok. Et ensuite, tu décales l'autre sur la gauche. Sur la droite, je pense. Ouais, ça marche, je crois que c'est bon, ouais. Ça marche aussi. Ouais. Ah, vérifie, attends. Quand même qu'on n'allait pas laisser un truc. Non, c'est là, vert, c'est bon. Ça, c'est... Attends. Check quand même le reste de la pièce, parce que ça, c'est l'escalier, l'échelle qui descend justement au niveau des requins. Donc...
me semble bien qu'on a un petit clé, mais c'était peut-être avant dans la porte avant. Bah, c'était peut-être en bas alors. Hein. C'était peut-être. Ah, peut-être ici. Bien vu. J'avais pas vu cette porte. Ah oui, ça doit être par là, ouais. Ah oui, je me souviens de ce moment. On la fera pas deux fois. La pièce est verte. Non, moi, non, mais ici, il était entré là, je me souviens. Ah oui. On me la fera pas deux fois. Oh, le mec, il est que cette confiance. J'étais persuadé que c'était dans l'autre salle. Alors, celle-là. C'est moche, il vient de se passer. On a ça fait à peine 5 minutes, on a déjà notre highlight de stream. Ah, oh, magnifique. Putain, j'étais hyper confiant. Tu vois que j'allais passer la porte et que j'allais le voir, mais non. On a vu ça. Non, du coup, faut que tu repartes en arrière. Faut que tu retournes en arrière, descends pas le ah, okay. L'échelle. Ce sera après. Bon, je reviens là. Ouais, c'est ça. Je reprends ça par sécu. Okay. Je sais plus, il y a 6 balles, je sais plus. On est mieux. Allez. Donc du coup, tu vas revenir dans le premier hall, ouais. Non. C'est horrible, ok. Il veut revenir. On sait que je suis jamais revenu sur mes pas. Faut que je fasse gaffe. Pour. Peut-être qu'une fois que j'ai la clé, il y a des ennemis en plus. Ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu, c'est vrai. Alors. Putain, j'ai perdu le jeu encore. Putain, je vais mourir. Ouais, non, c'est bon. C'est bon, je vous ai récupéré. 7 minutes de highlight. Alors, reviens vers nous. Reviens vers nous. En fait, on s'était planté. Je t'ai pas fait pousser la caisse comme il fallait. C'est... Je suis désolé. Oui. Oui, c'est là. Ok. Ouais, tu peux l'acheter. Je suis vraiment désolé. Je t'ai pas mis, c'est pas fait. Ouais, la caisse est mal placée en fait. En tout cas, faut pas prendre celle de droite, faut prendre celle que t'avais poussée. Alors. Faudra que je fasse gaffe à ma vie quand même. Ouais, effectivement, mais t'as un spray avec toi, donc au pire. Ok. Attends, je regarde la config, ok. J'ai plutôt aller là, d'abord. Ouais. Pourquoi pas? Il s'est détaché. Je vide la baignoire, mais je sais pas du tout pourquoi. Bah, tu vas voir ce qu'il y a au fond. Il y a quelque chose dans la baignoire. Ah, un truc bien, je crois. Oui. Eh ben, c'est une nouvelle clé, salle de contrôle. Ah. C'est la salle des requins. J'en étais sûr. Bon, t'es pas obligé, hein. T'as rien à faire dans cette pièce, donc casse-toi. Hein. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, ouais. Hubert, on a l'impression que les jumpscares lui collent des pains dans le bide. C'est pas faux. Ouais, bah, voilà, c'est ce que j'allais dire parce que gaspille pas tes balles de shotgun, c'est précieux. Voilà. Ah, oh, le bâtard. Ah, le bâtard. Il est fini. Voilà, il est mort. Et il est fini. Par contre, check ta vie, t'es encore dans le jaune. Ça. Bah, tu peux encore reprendre une morsure, mais... Non, t'es pas empoisonné. Ouais, là, bah tu peux reprendre ça. Encore une morsure avant d'utiliser le spray. Le spray, en fait, il te redonne 100% de vie. Donc là, on va dire qu'il te reste peut-être 30%. Quand tu seras à 10%, là, oui. Bah, pistolet d'autodéfense, oui. Bon, bah écoute, je sais plus à quoi il sert, mais... De suicide. On fera probablement un petit passage par la safe room pour reposer des trucs.
Donc lui, il a pas eu le temps de se mettre une balle. Hein. Ah. Yes. Ah, générosité. Rien d'autre. C'est vide. C'est vert. C'est vide, ok. Donc là, tu as ramassé la clé de la salle de contrôle, qui est cette salle qui était tout au bout, tu sais, de l'espace où il y avait les requins. Ouais. Et il va falloir y aller. Donc. Là, c'est donc, bon, de toute mais... façon. Alors, fais un petit passage par le coffre. Ouais. Fais un petit passage par le coffre. On va réorganiser un peu ton inventaire et peut-être qu'il va falloir quand même que tu te soignes parce que la moindre morsure de requin, là, tu y passes. Ah là, oui. Il suffit d'un coup de tentacule et... Et en plus, d'un coup de tentacule. Peut-être que je me soigne du coup d'abord ? Bah attends, regarde ce que t'as dans le coffre, là, déjà. Eh ben, t'as un mélange d'herbes, là. Prends le mélange d'herbes. Ok, bah, je lèche ça, du coup. Hop. Pas le rouge-vert, le vert-vert. Ce sera suffisant pour trop sera suffisant pour te redonner toute ta vie. Tac. Voilà. Bon bah écoute, je pense pas que t'aies besoin de plus de place. Ouais. À mon avis, t'es bon là. Hein. Je vois pas ce okay, que tu pourrais poser, il faut regarder un peu de vie. On y retourne. Tu as joué plus de 250 heures au remake, Virgile? Oula, non. Je sais pas combien d'heures j'ai joué, j'ai dû le faire 4-5 fois, mais... Mais non, j'ai pas joué 250 heures à Board of Canada. Mais alors ce gros requin là, pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai peur qu'il me bouffe encore moi. Non, il va falloir courir, Hubert. Hein. Clairement, il va falloir tracer directement au fond de la salle. Hein. Laquelle? Celle-là? Oui, c'était celle-là. Ouais. Ouais. Tu t'as fait. Hop. Voilà. Donc il va falloir repousser, je crois, les caisses, hein, à mon avis. Ouais, c'est ça. Merci Alex Flex pour l'abonnement. Merci beaucoup pour ton 19e mois d'abonnement, quand même. Merci. Merci. Du coup... Ouais, c'est ça, il faut repousser les caisses. Bah, commence par les... Je sais plus si tu peux l'ouvrir, cette pièce, d'ailleurs, là, ou pas? Je me souviens plus. Ça me semble que c'est verrouillé. Ah ouais? Ouais. Fuir comme un couard, c'est une tactique ubérienne éprouvée. Ouais, effectivement. Du coup, les requins, je leur mets quand même un petit coup de shotgun quand ils s'approchent. Hein. Non, trace. Je pense qu'il y a moyen que tu esquives tout. Si tu cours directement vers la salle, je pense pas qu'en fait t'aies besoin de... Mais faut pas hésiter une seconde, quoi. Faut courir. Ouais. Si vraiment tu vois qu'il y en a un devant toi, un derrière toi, et que t'es un peu bloqué, mets un coup de shotgun, mais... Ouais. Mais normalement, tu dois pouvoir passer... sans heure. Voilà. Ouais, on est d'accord, Serviette. C'est du gâchis de munitions, c'est sûr. Mais s'il est vraiment, coincé, ça les éloigne un peu, quoi. Mais je pense que c'est bon. Ça va le faire. Ce sera pas trop... Oui, de toute façon au pire tu la consommes, hein, si vraiment t'es en galère d'espace. Il y a moyen. J'ai besoin de consommer. Allez, alors là, ce sera... La course aux folles. Et c'est parti, viens vers nous. Fonce. Go! Et reste le moins près possible des barrières. Ah là là, il va me bouffer. Oula. Non, c'est bon, continue, Hubert, tu peux le faire. Allez, le sprint français qui est talonné par les requins, mais c'est pas grave. Le joueur français qui est bien placé là, les requins qui s'éloignent, les requins qui sont en bonne distance. Le joueur français là, c'est le sprint final là, il est proche de la porte. Oula là, c'est bon. Oui, c'est bon, là tu leur as fait peur, je crois qu'ils ne veulent plus t'attaquer. C'est bon. Oui, il est arrivé. C'est bon. Voilà. J'ai perdu une petite plume dans l'affaire, c'est tout. Ouais, ça va. Tu t'es un peu fait mordiller les fesses, mais rien de très méchant. Et un petit, et une ola pour Hubert. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Il y a une urgence. Non, là, ça sert à rien. Ça m'a l'air d'être une petite pièce.
Ah ouais. Oh ouais, d'accord. Qu'est-ce qui se passe ici? Pas un truc à activer ici, là, non? Tu dois avoir un truc à activer, mais je sais plus. Il y a eu un problème lors de l'évacuation de l'eau. Il y a un bouton pour évacuer l'eau. Ah bah oui. Appuyez sur le bouton. Ah bah. Oh là là, mais oui, bien sûr. Oh là là. Unknown force of pressure detected. Locking all doors to achieve maximum safety. Qu'est-ce que c'est que... Alors il faut que tu... Il faut que tu lock les doors là. À mon avis, c'est plus du côté de la console. Hein. La console. Attends, c'est où? C'est en haut? Non, là. Il n'y a pas un des ordinateurs, voilà. Débloquer la sécurité, oui. Il retourne en arrière là-bas. Non, faut que tu baisses les stores en fait. Non, retourne sur la première console où tu étais en fait au début. Là, celle-là. C'est par là. Oui, celle-là. Vas-y, fais voir ce que ça dit. Impossible de reprendre l'évacuation. Merde. Putain, c'est quel bouton déjà? Ah, il y a un lever de contrôle pour lever. Voilà, c'est ça. Reaching 50% of pressure threshold. Ah, perte de pression de l'huile, interruption de la procédure. Alors attends. Rétablir la pression de l'huile pour débloquer la sécurité. Mais c'est où ça déjà? Va falloir que tu regardes sur toutes les consoles. Hein. 50%. C'est où, regarde cette sur l'autre. Sur l'autre, non, celle qui est derrière toi. Celle qui est derrière toi, regarde éventuellement. Merde, c'est laquelle alors du coup? Ah! Non? Bah, je monte. Pour rétablir la pression de l'huile. Bah, ça doit pas être ici, effectivement. Ça doit ouvrir pas être la ici. Valve 1. La valve 1, ça doit être en haut, effectivement. Ça doit être en haut. Va falloir qu'on s'active là. C'est quoi ça? Ah! Non, attends, c'est quoi tout ça? C'est pas le moment. Bah, va dans le couloir, au fond du couloir là-bas. Ah, au fond du couloir? Non, oui, au fond du couloir. Ah, là, je pensais pas que faire parce que j'avais... C'est pas grave. Allez, on a encore un petit peu de temps, retour. 70%, la vache. Allez, là, c'est bon. Voilà, 90%, il faut surtout pas. Allez, 15 minutes là. Dans le couloir. Allez, à Hubert. T'es sûr? Non. C'était pas là? C'était où? Aucun. La porte ne veut pas s'ouvrir? Oui. L'autre. Allons, on nous dit l'autre côté? Je crois qu'on est foutu, les gars. Vas-y, continue. Vers nous. Ah oui, putain, c'était là. Mais fallait le voir aussi. Numéro 1. Ah, d'accord, ouais. Allez, feu, faut courir après. Putain, c'est foutu. Allez, t'as plus le temps. La clepsydre. C'est pas là, c'est l'autre. C'est l'autre, Hubert. La pression. Ok. Quoi? Donc la sécurité n'est pas débloquée? Je vais derrière. Ah oui, faut refaire le truc. Allez, salut. Allez, débloquer la sécurité, oui. Allez, il arrive. Oui, Hubert. C'est bon? What? Pourquoi y'en a qu'un sur les deux qui se... Allez. C'est bon. Oui, Hubert. Y'a rien qui est simple en jeu, hein. Magnifique. Sur la ligne d'arrivée. Ce n'est pas le moment. Bah du coup, il faut que tu finisses de vider l'eau, non? Ah oui, j'ai là, pas fait. Ça va être pareil. Ouais. Je crois, attends. Là, je crois que t'as raison. Ah, j'avoue, c'était... Là. What? Attends, la sécurité a été débloquée. Appuyez sur le bouton de... Oui. Voilà. Effectivement, c'était digne d'un film d'action. C'était du Jerry Bruckheimer. C'était fabuleux. Un certain sens du spectacle dans ce stream. Bon, bah là, c'est bon. Normalement, tu as vidé la pièce du fond. Bon, oui, bah tu peux est-ce prendre, que je le prends, ouais. Bah, c'est toujours plus utile. Au pire, tu consommes la... De toute façon, t'es dans le jaune, donc tu peux toujours consommer la plante verte que tu as. De maintenant, ouais. Oui, bah t'es dans le jaune, là, vas-y. Voilà. Ça s'est joué au poil de fesses, effectivement. c'est bien, ça met un peu de tension. T'étais un peu en panique, quand même. Je manque de tension, en plus, dans ce jeu, c'est bien. Bon, j'ai pas envie d'aller là maintenant, peut-être là. On va explorer ici. D'accord. C'est quoi ça? Ah, ça j'aime bien ça par contre. Bon bah là du coup
faut espérer que tu n'auras rien à ramasser parce que tu n'as plus d'emplacement. Ouais. Ce qui voudrait dire que tu seras contraint, de, malheureusement, de consommer quelque chose. Impossible de ranger le spray dans la boîte à spray. Alors non, parce que la boîte à spray là qu'on voit là, en fait, il faut l'ouvrir pour sortir un spray. C'est quoi le truc là qu'on a là ? Essaye. À moins que tu m'apprennes quelque chose, Ramzacom, que je ne savais pas. Ah non, tu peux plus porter d'objets. Essaye de combiner ça avec le spray. Je pense pas que ce soit possible. Non, la boîte verte. Et le spray ? Ouais, vas-y. Non, voilà, c'est pas ça. Ça marche pas. Donc là, t'es un peu embêté là. Ça roule pas cool, serviette. Là, t'es un peu embêté parce que les munitions que t'as trouvées, c'est les munitions pour une arme que tu ramasseras plus tard. Ah. Parce que là, dans ton inventaire, faudrait peut-être. Ce serait dommage de consommer un mélange. Hein. Bon, bah écoute, vas-y, on repassera. Hein. Au pire, on repassera. Mmh. Vous avez déverrouillé la porte. Ah, mais attends, ça, je crois que ça te ramène dans le couloir. Est-ce que t'avais tout fouillé ou pas ? Ouais, ça te ramène dans le couloir. Ah, c'est là, ok. Est-ce que t'avais tout bien fouillé dans la pièce qu'on vient de quitter là ? Non, il manquait. Il y a une porte à laquelle je suis pas allé. Mais peut-être que je peux remonter et déposer des trucs, non ? Ah, si tu veux, ouais. Ouais. Ouais, effectivement. Bon, désolé, ça prend un peu de temps, mais. À quoi qu'attends, non, en fait, tu veux. Je sais pas si tu vas pas nécessairement y repasser là-dedans. Ah bah avec la batterie là. Va poser quelque chose. Va poser le mélange vert bleu là. Va poser le mélange vert bleu. Ah, on fait durer le plaisir, hein. Ça fait 7 épisodes, on est quoi, à peine la moitié du jeu, donc oui. T'inquiète, serviette. Tout à fait, Paul le bébé. Ouais. Dans l'idéal, c'est ce qu'il faut. Ouais. Je pense, Boards of Canada, qu'on est à 50% du jeu à peu près. Hein. Attention, Hubert. Ouais, voilà. Bien vu. Mais bon, je me colle. T'as dévié un peu sur la droite. C'est toujours un régal. On s'en lasse pas. C'est toujours un régal. Bon, du coup, non, je consomme pas un truc, j'ai pas peut-être une plante verte à consommer rapidos. Regarde si t'as ça dans le coffre, sinon, de toute façon, le mélange vert bleu, tu peux le poser. Ouais, éventuellement, les grenades. Vu que t'es équipé du shotgun pour le moment, ça te sert à. Non, je sais pas. T'es blindé de vie, c'est un truc de fou. Le mélange vert bleu, je serais. Ouais. Et donc, qu'on a herbe verte, t'as une herbe verte solo herbe là. Verte. Okay. Prends-la pour la consommer. Peut-être après, non ? Ça fait quoi ? C'est qu'un cran, l'herbe verte ? Ou alors... Comme tu veux, oui, tu peux la... L'herbe verte, ça soigne pas grand-chose. En général, c'est quand tu es dans le jaune, tu passes au vert. Quand tu es dans le rouge, tu passes au jaune. C'est bon. Donc, je pense que tu peux presque te permettre de la... De la consommer. C'est... Si jamais je me faisais choper par le tentacule. Et quand on repassera par là, il faudra quand même qu'on se fasse une petite sauvegarde. Ouais. Je pense. Ce serait dommage de perdre toute cette progression. Hubert a tué les chiens. Je sais pas de quel chien tu parles, mais il en a tué un certain nombre, oui. au Canada. Il y en a qu'un qui survit, auquel j'ai pas envie de toucher. Oui, un tentacule, c'est vrai, tu as raison, pas une. Est-ce qu'il n'y a pas les mélanges de trois herbes vertes dans cette version ? Me semble bien que si. Mais c'est l'équivalent d'un mélange vert-rouge. Je peux passer par là. Soit tu vas retourner explorer ce que t'as pas exploré là. Soit tu pouvais aller checker la salle maintenant que t'as vidé la flotte. Ouais. Je suis curieux, donc je me demande ce qu'il reste des requins en fait. «
comme ça, c'est réglé. Ah bah oui. Ah bah du coup, t'es obligé de faire le tour. Bon bah voilà. Mm. Il est vrai, un tentacule et une Game Boy. Tout à fait, mon vieux. Le temple de l'eau. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu n'avais pas fait? Ah bah tiens, regarde. Je vais te les prendre, du coup. Magnum. Ouais. Okay. Ah, ça, quand tu vas le trouver, ça va faire plaisir. Ah ouais? Ça pique. Ça explose des têtes. Donc, t'arrives de là. Magnum, le flingue à moustache, ouais. Alors. Mm-hmm. C'est... Ben oui, je m'y attendais. Alors... Attends, je vais juste voir. Ouais. Ouais. Je sais plus du tout s'ils peuvent t'attaquer. Ouais, je pense que tu l'as achevé. Vous avez pas... C'est bon, il est mort. Vous avez pas réussi à patienter toute une semaine pour y rejouer? Non, non, c'est simplement pour une question de planning. C'était plus simple pour nous de le faire ce soir. Mais moi, si on pouvait faire du Resident Evil tous les soirs en live, ce serait avec plaisir. Voilà. Ah, c'est le gros celui-là. Oh là là. Bah une balle, va voir, quoi. Non, bon. Non, non, mais laisse, gaspille pas. Désolé, serviette. Bah écoute, en fait, faut... Simplement, le mieux à faire, c'est toujours de passer sur Gamekult et de regarder le programme de la semaine. Là-dedans, on met... Bah, on met le programme de tous les lives, en fait, de la semaine, donc... histoire de savoir exactement quand est-ce qu'on stream sur Resident Evil. Désolé. Ouais, vas-y. Ça va pas électrocuter... Ah. Ah. Si tu essaies d'interagir avec, il se passe quoi? J'ai peur de m'en prendre une. Non. Vous risquez de vous faire électrocuter. Alors attends, est-ce que tu peux remonter le truc? Ouais, à mon avis, il y a un truc à faire aux alentours là pour que le courant fonctionne. Or toi, t'as peur de rien, tu lui passes devant la gueule. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans cette petite salle là? Il manque bien des choses. Attends, remets le plan. Là, tu vois. C'est quoi cette pièce? Tu sais, la partie rouge à gauche là? Ouais. C'est là d'où on vient en fait. Bah, je crois bien. Ah. Ouais. Mais alors, où est-ce qu'on réactive le courant là? Non, pas par là. Retourne. Il doit y avoir un truc qu'on n'a pas vu au niveau de la pièce. Ouais. Retourne. Reviens vers nous. Ah d'accord. Vers nous. Ouais. Il doit y avoir un truc qu'on n'a pas vu, je pense. Parce que il y a pas d'item à ramasser et t'es toujours dans le rouge là. Ta carte est toujours rouge. Ce serait pas dans le requin ou un truc. Non. Ah. Attends. Essaye d'interagir d'abord avec la borne et ensuite t'abaisse le levier. Non, non, pas le levier, la borne. Ouais. Ah merde, attends. Non. Le système de contrôle, il n'y a pas de courant. Ah, bon. Quand on met le courant, il est pas content. Qu'est-ce qu'on a raté? Ah, il y a Serviette qui nous dit qu'il y a une clé à prendre. Mais où est-elle? Je fais le tour du requin, au cas où. Non. Non, j'ai pas l'impression. Bah, c'est peut-être... Parce que là, je vois rien, j'ai pas vu de petits clignotements. À côté du panneau, il y a un truc qui brille. Je crois qu'on est complètement miro, mon cher Hubert, ah bon, on l'a pas vu. À côté du panneau, il y a un truc qui brille. Ah, je vois un truc qui brille, effectivement. Au loin. Ah! Alors moi, je n'ai rien vu du tout. Hein. De loin, je l'ai vu, mais là... Non, mais je pense pas que c'est là, en fait. Hein. Ça doit être... Ah ouais, tu crois? Bah, je sais pas. Mais je j'ai vu. Le oui, c'est bon. Oh là là. Et bah, là, dans le coin. Ah la vache, là, voilà. Là.
Ah. Alors attends, fais gaffe quand même, Hubert. Alors du coup, la clé est tombée, hein. La clé est tombée dans l'eau. Je... Alors déjà, prends le shotgun. Ou alors, essaie de lui mettre une balle pour voir s'il réagit. Je sais pas si ça sert à quelque chose, si t'es en train de juste griller tes balles. Ah oui, Hubert, on est bête. Ah oui, mais bien sûr. Non, d'abord pousse-la d'abord. Comment ça pousse-la? Pousse-la, la borne, dans l'eau. Ah. Simplement, pousse-la comme ça. Ah là, mais bien, ah d'accord. C'est ingénieux. Parce que là, il y avait quand même une chance que tu te fasses bouffer. Hein. Okay. Si ça, je dis rien. T'as pas besoin de remonter le truc ? Essaye. Fonctionne. Bon, non, ça veut dire qu'il n'y a plus de courant. Là. Eh bien, go ramasser la clé alors. Il bouge encore, hein, je dis ça. Ouais, mais c'est ça, c'est vérifier. convulsion post-mortem. Non ? Okay. Bah, essaye de mettre une balle. Ouais, c'est une balle. Le mec est... Ouais, c'est bon. Le mec est pas rassuré quand même. Allez, feu. Clé de la résidence. Ah oui, c'est là, tu sais, la porte avec écrit galerie. On avait croisé une porte, c'était écrit la porte est fermée et c'est écrit galerie au-dessus. Ok. Une, oui, c'est bon. C'est rouge, c'est vert. C'est tout bon. Je pense... Va quand même checker dans la grande salle, tu sais, où il y avait les autres requins, là. Savoir ouais. Voir s'il n'y a pas des trucs à ramasser. Est-ce que le truc plein de tentacules, est-ce qu'il a grillé dans le processus ou pas? Ce serait trop facile. Ce serait bien. Je vais là, du coup. Facile. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, on l'a déjà fait, Tuto. Voilà. Ok. Non, faut que tu remontes, du coup. Je regarde juste y a, là. Y a rien que t'avais laissé, ouais. Check un peu le plan, voir vite fait si t'as rien... Ah, y a quelque chose. Mais quoi? Ah, y a le plan derrière, sur le mur, là, non? Ah, attends. Retourne là-bas. Ah, oui! Très bien. Et là, on monte, du coup. Et ben là, tu peux monter, ouais. Salut Alexandre Montréal, et merci à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Un bonjour de Montréal, ça fait plaisir. Sans coûter toute cette électricité gâchée pour cramer le requin, c'est très écologique. C'est vrai. Alors. Il bouge celui-là, il bouge, oui. Ouais, alors. Ok. Ouais. Merci Junigo pour le Prime. T'embête pas avec le... Ouais, voilà. Il faut que je passe. Il faut que j'aille là, hein. Non, mais il faut... Y'a rien à y faire, apparemment, t'as rien à ramasser, en fait. Pas la peine, en fait. Regarde, tu vois, ton plan, il est déjà gris. Donc, c'est qu'il y avait rien à ramasser. Tu peux... Mais dans la porte grise, là. C'est là où... Oui, faut que tu fasses le tour, mais t'as pas besoin de descendre les escaliers là où il y a les requins, je veux dire. Ok, ok. Parce que là, là, y'a rien à ramasser. Non. Non ? Non, non. Pas du tout. T'es sûr ? Là, bah si. Attends, c'est quoi celle-là ? Elle va être fermée, oui. Vas-y, essaie d'ouvrir. Oui, il y a les tentacules. Ah oui, mais tu veux pas aller là, Hubert ? Non, mais je me dis peut-être qu'elle a grillé. Si, tu vois. Non, pas du tout. Retourne en arrière, Hubert. Merde, ok. Bon, comme ça, c'est réglé. Ah, c'est dommage, effectivement. Attends, je vais pas où. Ouais, voilà, il faut que tu repasses dans la. Faut qu'on retourne à l'étage, dans la maison en bois, là. Pour utiliser cette clé. Du coup, je peux plus passer par là, moi. Ah, bah oui. Ah, je suis bête.
Là, tu peux pas passer là. Faut que tu repasses encore de nouveau par en bas, je suis désolé. Allez. Bouge plus du tout lui, hein. Eh si. Le mec trop confiant. Beaucoup trop confiant. Mettez cet homme sur Dead Space. T'as déjà joué à Dead Space? Ouais, ouais, avec Trunks à l'époque, vraiment le tout début. Ouais. Pour le coup, en jump scares, c'est horrible. Vous l'aviez fini? Non, non, non. Non, vous aviez juste fait une petite session comme ça. Ouais. Non, trop difficile pour mon petit cœur. c'est par où déjà? Du coup, c'est là, non? Bah. Oui, je crois bien. Minutes, est-ce qu'on va faire une sauvegarde? Oui, je pense que là il faut qu'on repasse par le coffre. On va refaire une petite sauvegarde. Vite, un coffret Dead Space pour ce défibrillateur pour. Ah, la poisse, je vois que Superb Leaf Galactique s'est fait kicker pour 10 secondes pour avoir posté un lien qui mène sur Gamekult. c'est quand même ballot. Désolé. Effectivement, le bot est un petit peu tatillon. Du coup, alors avant de rentrer dans cette pièce, parce que c'est celle-ci, on va d'abord aller faire un petit tour, je pense, pour sauvegarder. Pour me faire attraper cette fois, mais... Voilà, reste bien à droite du couloir. Attends, à gauche ou à droite? Qu'est-ce que je raconte, moi? Non, à gauche. Voilà, à gauche. Ça dépend de l'angle de caméra, mais... Reste bien à gauche. C'est juste que ça met un certain temps, du coup... Non, en fait faudrait repousser la caisse et tout. Repousser la caisse. Parce que là, à chaque fois que tu vas repasser dans ce sens-là, tu vas te le prendre. C'est de ma faute. Donc, oui, tu peux reposer pour le moment. Je pense que tu peux poser la boîte verte là avec le spray dedans. Ah, ok. Parce que t'en as déjà un, enfin. Je me dis deux, c'est peut-être pas nécessaire. Ok. Et pas une petite. Et prends un ruban encreur. Putain, il t'en reste plus que deux? Est-ce qu'il y en a d'autres? Ce serait mal rangé. C'est chaud quand même là. Ah, il t'en reste, donc ça t'en reste 3. 3 rubans encreur au total. Donc là, il va t'en rester plus que 2 après cette sauvegarde. C'est pas beaucoup, hein. Est-ce qu'on sauvegarde vraiment ou... Eh ben écoute, je sais plus ce qui nous attend après. J'aimerais pas qu'en fait tu te retrouves dans la merde et que derrière tu meurs et qu'on doive retaper tout ça. C'est toujours, tu vois là. Ouais, on laisse le chat décider. On laisse le chat décider, c'est vous qui décidez. Est-ce que Hubert sauvegarde maintenant? Pour l'instant, on nous dit de sauvegarder. Hein. Ouais. Trois rubans, les gars. Hein. Et après, il m'en faut un pour la fin du live. Donc il m'en restera qu'un. Attends, tu peux save, YOLO, les flippés. Attends. Tout le monde dit de sauvegarder. Hein. Alors ouais, attends, il y a même un petit sondage en cours. Il y a un petit sondage en cours, mais pour le moment, c'est clairement le sauvegarde qui tient. Bon, je m'apprête à sauvegarder, j'attends les résultats, mais... On est à 86% pour maintenant et 20% pour après. Ok, bon, bah go. Zou. Et c'est parti. Allez, il va pas falloir crever. Je sais plus du tout ce qui nous attend. J'aurais tendance à penser qu'il va falloir t'armer un peu. Ah ouais? Si je ne dis pas de conneries, je pense qu'il va peut-être falloir que tu t'armes là un peu quand même. Hein. Alors pose-moi ce ruban. Écoute,
Je ne saurais dire s'il faut que tu prennes plus que ce que tu as là, en fait. T'es déjà bien à la limite. Qu'est-ce que t'as en munitions de lance-grenade? Je crois que j'en ai... 6 et 6. 12. Ah, c'est incendiaire et grenade. Ouais, ouais, ce qui fait qu'en fait, tu peux pas les combiner, donc c'est chiant. Ouais. Bon, écoute, reste comme ça. Reste comme ça, on va y aller comme ça. Ok. Ah, quoi que... Attends, non, excuse-moi. Je suis désolé. Tu vas me poser le shotgun. Tu me poses le shotgun, tu prends le lance-roquette avec les grenades. Ok. Quoi qu'il en soit, tant qu'à avoir une des deux armes, autant avoir celle-là, tu seras plus safe. Je suis désolé pour les allers-retours, mais je crois savoir vers quoi on se dirige, donc je pense qu'il vaut mieux, assurer le coup. Alors, du coup... Lance-grenade. Bah, ça te laissera plus d'espace, par contre. Je serais toi, je prendrais... Voilà, et je prends les incendiaires aussi. Comme ça, ouais. Au moins. Ouais, ok, oui. Tu annonces la couleur, c'est bien. Non, mais on sait jamais. Mieux vaut trop que pas assez. Bon, j'espère juste que t'auras pas un truc à ramasser. Et qu'on se retrouvera. Normalement, je me débarrasse d'une classe assez vite. Donc, je repasse là. Effectivement, très bonne remarque de serviette. Associe lance-grenade et grenade normale, explosive, combinée. Voilà, comme ça, tu vas. Merci pour le rappel. Je pensais qu'il pouvait en contenir que 6, mais en fait, c'est 9. Ça, c'est le genre de conseil qu'on aime bien. Là, c'est bien. Du coup, oui, on va ouvrir cette petite pièce. Bon, ça avait commencé un peu dur, mais là, je suis plutôt tranquille depuis un moment. Ouais, c'est vrai. T'as eu tes sueurs froides au tout début du live. Donc, c'était cette pièce-là. Pas de bêtises, ouais. Vous avez utilisé la clé de la résidence. En plus, voilà, j'avais oublié que tu peux la balancer. Donc là, t'es bien. Le bec direct. Jamais trop prudent. Le pétachomètre. Alors, ah, c'est une grande pièce, ça sent pas bon. Ah, mais attends, ça y est, ça me revient. Du coup, tu as... Ah mince, va voir le... Oula, putain. Qu'est-ce que je fais? Tu peux les aligner à coup de flingue. Ah ouais? Tu te mets bien droit, tu les laisses venir et bam, bam, bam. Ok. Ça me viendrait pas à l'esprit dans la vraie vie de tuer des abeilles à coups de Beretta, mais ok. Alors, faut peut-être que tu t'approches un petit peu pour qu'elles viennent. Non? Voilà. Tu pouvais... Là, on commence pas à courir. Va falloir que tu trouves un spot là pour tirer là. Derrière peut-être le meuble là-bas, je sais pas, non? Ouais. Oh là là. Voilà. Oh la vache, oh la vache. Reste mobile. C'est bon. Reste mobile, voilà. Là, cale-toi maintenant. Et laisse-y venir. Bim. Bim. Attends, voilà. Il en reste encore un. Ouf. Oui. Bon, là, ça va que le jeu, il est généreux. Hein. Ouais, c'est clair. Moi, elle veut pas me piquer à terre. T'as un chargeur, là. Okay. Très bien. Alors, mon cher Hubert, je crois me souvenir d'un truc à faire ici. Attends, parce qu'il y a quand même un mec là au bout du couloir. C'est quoi, ça? Le checker. Ah ouais, non, attends, ouais. Un cadavre dont le visage a été défiguré. Il tient quelque chose. Ah yes. Ah yes. Ah oui, ah, c'est bah vrai. Ah merde. Ouh. Et il contient une grande quantité d'insecticides. C'est pas là-dessus que tu dois t'en servir. Il doit y avoir un truc sur lequel s'en servir, mais ce sera pas comme une arme en fait. Oh ouais. Ah bah voilà, c'est là-bas. Ça doit être là-bas. Juste. Ouais. Je pense qu'à mon avis, tu vas pouvoir t'en servir là-bas. Là, contre le mur. Voilà ça. C'est là. Tu te souviens les trucs qu'on a allumés au briquet? Oui. Bah vas-y, regarde. Il me semble que c'est ici que ça joue ça. Voilà, c'est là. Il y avait ces trois symboles là, effectivement. Alors, est-ce qu'il faut les faire dans l'ordre?
lequel on a vu le premier, lequel on a vu le dernier. Tac, 1, 2, 3. Tu vois, c'était... Faut que j'appuie sur une touche. Ah bah oui, 4. Non, c'était 4. Ah, c'est 4. Mince. Ah, mais y'a pas 0. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Oula. Qu'est-ce qu'il nous fait, là, Hubert? Je sais pas. On dirait un enfant, tu sais, qui joue avec les trucs. Ouais, attends. Bah, bonne question. Essaye de... Alors, au lieu de toucher sur les... De cliquer sur les yeux, essaye de direct cliquer sur les chiffres. Alors, non, attends. Non. Il faut choisir un chiffre pour un symbole, ouais. Comment on fait pour reset le truc, par contre? Il n'y en a pas... Un chiffre pour un symbole. Est-ce que c'est dans l'ordre où on les a trouvés? Donc, du coup, ça voudrait dire que le premier qu'on a vu, c'était le deuxième. Donc, va sur le deuxième 1, celui-là 2, et l'autre 3. Non, c'est pas ça. Ah, la vache. Ah ouais, non, mais faut pas nous donner les codes, serviette. Je veux bien des petites astuces, mais n'exagérons pas non plus. Je sais bien que ça part de bons sentiments, mais... Attends, là, tu fais tout au pif, là, Hubert. Il y a un truc, il y a un truc qu'on comprend pas. Il y a un truc qu'on comprend pas. Mon environnement, porte 3, un symbole dessus. Yes, mais oui, on est bête. Merci pour... Alors là, du coup, tu vois, c'est un backseat bien, c'est que ça nous rafraîchit la mémoire. C'est Omega Kéops qui nous rappelle que les lampes matchaient avec les boules de billard. Ouais. Ah, donc, okay. Pour regarder les couleurs des lampes et regarder peut-être les chiffres qu'il y a sur les boules de billard des couleurs correspondantes. Donc on remonte là? Bah, à mon avis, alors, est-ce que tu veux essayer quand même de te débarrasser de la ruche ou pas? Peut-être, ouais, dans un premier temps, comme ça, si j'ai besoin de récupérer de la vie. Yes. Mais comment faire? Parce qu'il y a déjà des abeilles devant là. Sais jamais, t'as aussi une pièce que t'as pas explorée là. Ah oui? Parce que là, à mon avis, c'est bien là hein, qu'il faut vaporiser le bordel. Là, dans la pièce 3 là? Allez, essaye de voir s'il y a pas un autre truc à faire ici, verrouillé. Mince. Bon, bah t'as pas la clé. Bon, bah écoute, laisse tomber. On va se faire déjà ce petit code là. À mon avis, c'est là tu peux pas y aller parce que si tu t'approches de la ruche. Tu vas te faire avoir. Donc, bah, retourne dans la salle du billard. Oh, ok. Ah là là. Et puis, on va rechecker les couleurs. Attends, la salle du billard, c'était où? Oui, t'as raison. C'est ça. Bon, bah, il va encore falloir que tu te... Je vais m'en prendre une, au moins, là, je sais. C'est de ma faute, hein. C'est moi qui t'ai mal fait placer le truc. Je peux pas y aller. Vas-y. Go. C'est chiant parce qu'à chaque fois ça te fait perdre de la vie, hein, cette saleté là. Ah, j'en suis à quoi? Ouais, je suis en jaune. Ouais, ça va encore. J'oublie pas la migale qui m'attend là. Vous avez oublié la ruche, oui, mais... Attends, on va déjà au moins aller récupérer les... Ah bah tiens, t'as une petite herbe verte là, je serais toi, je la prendrais. Ouais. On va déjà regarder la correspondance des couleurs là, avec les boules de billard. Alors, donc... 5... C'était du orange, du vert et du rouge. Donc 5 oranges, 6 verts, 3 rouges. Attends, okay. On va noter. Ah, t'as un papier et un crayon parce que c'est le coup à ce qu'on oublie ça. 3, 5, 6. Ah ouais, mais tu te souviens des couleurs? Non. Ah bah, je dans les ordres. Mais non. 3, 5. Mais non, mais tu te sais, c'est sérieux, tu te souviens plus? 5, merci beaucoup, Madag. Bah, Madag a noté pour nous. 5, 6, 3. Orange, vert, rouge. 5 oranges, 6 verts, 3 rouges.
Alors, bah, tu retournes dans cette charmante petite pièce. Le mec a lance-grenade dans les mains, tu sais. Ok. Allez. Donc, on a dit 5. 5 pour le premier. Ensuite. 6 pour le. Six. Non, non, 6, 6, 6, 6. Ah non! Non, 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 je dis des bêtises, je dis des bêtises. Alors, le premier, l'orange. Va sur... Non, attends, qu'est-ce que tu fais? C'est l'orange, l'orange c'est ça, voilà. Alors, l'orange, c'est 5. Le vert, c'est 6. Et l'autre, du coup, c'est 3. Ah. Voilà. Oh la vache. Ah, on nous dit... Ouais. Attends, c'est quoi? Vous avez besoin d'un récipient dans lequel le verser. Ah, attends. Ouais, mais là, t'as pas assez d'espace, là, pour le moment. Tu peux prendre la plante verte, déjà. Prends la plante verte. Consomme la plante verte. Ouais. On nous dit, effectivement... Alors, check ta carte, vite fait, Hubert. Ok. Donc... Check la carte, ouais. Elle est où cette ruche, du coup? Non, ça se trouve, faut juste flinguer les abeilles devant, et puis... Non, mais... pulvériser, non, hein. Non, non, ouais, non, mais le pulvériser... C'est pas ici, en fait, que tu dois le pulvériser, je crois. Ok. C'est pas directement ah, c'est ce dans côté-là, le trou. En fait. C'est, t'as un trou, là, au bout du couloir. D'où ah, on vient. Ah, ouais. Yes, mais oui, ouais. Bien vu, Hubert, bien vu. Ah bah fais ça, comme ça tu vas peut-être te débarrasser du... ça pourra te libérer un emplacement. Je sais pas si je dois me remplir d'eau. Quoi. Non, non, va déjà te débarrasser des abeilles, comme ça ouais. Tu libères un emplacement qui est occupé par le pchipchit là, l'insecticide, et au moins t'auras trois emplacements pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire ici. Ok. Yes, bien vu. Donc là, c'est ça. Tiens, mange. Hey, je l'ai encore dans mon inventaire. Ah non. Non, c'est bon. Du coup, là, t'as trois espaces, c'est parfait. On va retourner en arrière. Et déjà, aller checker ce qu'il y avait à cet emplacement-là. D'accord. Va se réveiller, lui. Non. Alors, qu'est-ce qu'on a au fond, là? À part une plante. Yes, clé de la résidence. Oui, alors du coup, je sais pas où elle va servir. Parce qu'il y a des plantes. Des herbes. Non, là, toute seule, elle te sert à rien, donc laisse tomber. Alors, retourne dans la salle. Ah. Ah bah voilà. Mais il faudra quand même qu'on aille dans la salle à côté là. Ouais. Après, pas nécessairement tout de suite voir déjà ce qu'il y a là, mais. Machine à écrire. Ah dis donc. Ah putain, ruban. Excusez-moi. Parfait. Eh bah écoute, ça nous laisse un petit peu de marge, comme ça tu vas pouvoir. Tu vas pouvoir sauvegarder une fois de plus. Je pense qu'on va se permettre cette petite largesse. C'est des papillons. Ok, ils sont gentils. Ok. Y'a rien d'autre? Ah, le livre rouge. Le livre rouge. Eh bah écoute, prends-le et puis comme ça on... Ah bah voilà, attends, Lily, attends, retourne en arrière, parce que ça c'est peut-être important. Tu sais, le truc avec les produits chimiques là qu'on a vu tout à l'heure. Ah oui. Non, ils ont mis à jour une autre donnée intéressante, vas-y passe. Devons découvrir que l'UMB20... UMB. Je l'ai vu ça. C'est important qu'il détruit les cellules de cette plante très rapidement, d'accord. V-Jolt, si nos calculs sont exacts, la plante devrait mourir 5 secondes après l'application du V-Jolt, directement sur ses racines. Il suffit de mélanger de l'UMB et du VP dans des proportions adéquates.
Cependant, la manipulation des substances chimiques UMB demande beaucoup de précautions. On sait en effet qu'elles peuvent dégager des gaz toxiques. Ok ? Voilà les caractéristiques de chaque composant chimique UMB. Ouf, oh la vache, ça a compliqué. Hein. C'était lequel qu'il fallait ? C'est le V-Jolt qu'il faudra qu'on atteigne. Mais ça en combinant quoi ? UMB bah, et VP. Mais je pense qu'on on verra, à mon avis, dans la salle où il y avait les différents produits chimiques. Ouais. Il devrait y avoir des indications sur comment faire. Ça doit être le rouge et le bleu, je pense. Bon, bah en tout cas, t'as ça, très bien. Mm. C'est clean. Bah, je vais checker la check quand la même porte. Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas une baignoire avec un zombie dedans? Ah là, une baignoire. T'es sérieux? Non, mais sans déconner. La phobie des baignoires. Il va plus oser aller dans sa salle de bain. Y'a un truc dedans. Il y a quelque chose dans la baignoire. Ah, un poignard. Oui, bon. Toujours bon à prendre. Est-ce qu'il y a un truc à choper ? Non, c'est bon. Non. Je crois que c'est tout bon. Eh bien, écoute, je crois que tu vas pouvoir aller... taper ton ultime sauvegarde, à moins que tu veuilles commencer à essayer de faire les mélanges. Allez, mais là, c'est frais. Là, t'as plus assez... Le truc, c'est que t'as plus assez de place dans ton inventaire, il faut que t'ailles poser des choses. Il y avait pas de coffre, là, si ? Non, non hein. Faut que tu retournes en arrière. Faut que tu retournes en arrière, il est 28, mon cher Hubert. Ouais. Je pense que tu peux te permettre de faire un retour en arrière et d'aller sauvegarder. Et de réagencer un peu l'inventaire. Ensuite, faut mettre Hubert sur Phasmophobia. T'as déjà joué à Phasmophobia ? Ça me dit un truc. C'est quoi déjà le principe ? C'est le jeu en multi où tu vas explorer des maisons hantées. Ah oui, si j'ai fait une partie avec Luma et Sbeb en GK Live une fois. Ouais. Ah, ça devait être sympa, ça. Ça devait être savoureux, tiens. Oui, effectivement, Serviette, mais il faut qu'il réagence un peu son inventaire. Donc, il n'y avait pas de coffre. C'est chiant. Hein. Du coup, je laisse tomber le lance-grenade. Dans l'immédiat, j'ai envie de te dire première chose. T'avais récupéré le livre blanc ? Mais elle l'avait peut-être... Elle l'a jeté ? Ouais. Non, c'était juste okay. Pour le consulter, je crois. Hein. Ok. Non, mais garde, hein. Attends, non. Il faudra 3 emplacements disponibles. Ouais, donc. Ça me paraît audacieux quand même, hein. Bon, déjà, sauvegarde, première chose, sauvegarde. Ensuite, tu poseras. Et on verra la semaine prochaine pour t'équiper correctement. Ok, ça roule. Parce que là, juste avec le flingue, ça me semble un petit peu. Non, tu pouvais prendre... Ah, tu veux prendre... J'en ai un tout seul, voilà, j'optimise. Bah déjà, ce que tu peux prendre, ce qui est c'est sûr, c'est le livre rouge. Le livre rouge, il est en haut, je sais en, plus... En bas. Il est en bas, ouais. Voilà, puis là, de sauvegarde, et puis du coup, on reprendra la semaine prochaine, mon cher Hubert. Ah là là, c'est toujours marche. Beaucoup trop court. C'est toujours beaucoup trop court. Est-ce que je me soigne de suite ? Tu peux. Comme tu veux. Hop. Et voilà. Et voilà pour l'ultime sauvegarde de ce GK Live. Tant de plaisir condensé en une heure, c'est beau. Merci Chino. Oui, c'est toujours trop court, c'est toujours trop court. On a hâte, vraiment hâte d'être à la semaine prochaine. En tout cas, beaucoup d'émotions encore hein, cette semaine. Ça a commencé sur les chapeaux de roue. Ouais, mais en fait, ouais, après ça allait. Par la petite frayeur du requin. Non, moi, j'ai toujours peur de tomber sur mon vieil ami, le serpent géant, là. Mais non, pour le moment, ça se passe bien. Tu verras, ça va être mouvementé la semaine prochaine. Merci tout le monde, merci à toutes et tous de nous avoir suivis une fois de plus pour ce 7e épisode de Resident Evil Remake. J'espère rendez-vous la semaine prochaine, mais comme vous le savez, tout se décide le lundi matin. N'hésitez pas à aller consulter le planning qu'on poste en début de semaine pour savoir quel jour
vous devez absolument être là pour suivre la suite des aventures d'Hubert. Et moi, je vous retrouve demain avec Battle Axe. Si jamais vous savez pas ce que c'est, allez jeter un oeil, vous verrez, c'est plutôt chouette. J'ai joué un peu toute la journée, c'est cool. Merci Hubert. Merci Virgile. Merci le chat. Merci à tous, merci à toutes. On vous fait des bisous. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao.